Et elle a gâté le mariage de sa petite soeur. Et aussi son enfantement. Son enfantement, puis son avenir. Et aussi son avenir. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Comment tu as fait? Comment tu as fait pour gâter? Je me suis transformé en poivre et puis je suis parti souffler dans son avis. Tu as fait quoi? J'ai soufflé dans son avis. Elle dit qu'elle s'est transformée en corbeau et elle allait souffler dans, dans ses narines. C'est ta soeur? Oui, papa, c'est ma soeur. Elle dit oui. Mais pourquoi tu peux garder son mariage? Tu lui as porté un masque, ça? Un masque? Et tu lui as fait porter un masque? Oui, j'ai porté un masque sur son visage. Elle dit oui. Tu ne peux pas dire ça? Et comment tu as pu détruire cette trompe? Tu as mangé ça? Dis son enfantement là, cette trompe, tu as fait comment tu as gâté? Son enfantement? Oui, il est gâté. Elle dit qu'elle a gâté. Tu as mangé ça? Demande, tu as mangé ça? Tu as mangé ça? Oui, j'ai mangé ça. Elle dit oui. Mais elle t'a fait quoi? C'est mon papa, elle m'a rien fait, mais je suis jalouse. Hein? Je suis jalouse, papa. Ah bon? Pourquoi? Explique-moi ta jalousie. C'est ta petite soeur? Oui, c'est papa. Ça? Oui, papa. Et tu es jalouse, ta petite soeur? Oui, papa. Explique-nous ça. Explique-nous comment tu es jalouse. La jalousie, elle est comment? Je suis jalouse parce que demain, elle va se marier et puis moi, je n'ai pas de mari. C'est pour ça que je suis jalouse. À qui t'as dit papa de marier? Qui a dit papa de marier? Qui t'a dit que tu vas pas te marier? Personne, papa. Elle dit quoi? Elle dit personne. Personne, papa. Ah, c'est toi qui viens de dire ça tout à l'heure. Tu dis, elle va se marier. Et toi, tu vas pas te marier. Mais qui t'a dit que tu vas pas te marier? Qui t'a dit ça? Personne. Vous êtes même pas même? Oui, on est même pas même, papa. On est même pas même. Là, toi, vraiment, c'est diable. Hein? Donc, tu es convaincu qu'elle va se marier et toi, tu ne vas pas te marier. Oui, papa. Mais toi, tu as des pouvoirs, non? Tu as des pouvoirs. Pourquoi tu ne prends pas ces pouvoirs-là pour créer un mariage pour toi-même? Il y a souvent des discussions entre elles. Je parle de sa soeur là. Non, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas dans la maison entre vous deux? Non, pas vraiment. Quelquefois. Quelquefois. Ah. Oui, mais elle ne te fait pas trop faire ça. Elle ne te fait pas sentir ça, c'est ça? Non, pas vraiment. Mais elle a dit qu'elle a fait ce travail depuis mon enfance. Je sais pas. Depuis que j'avais 9 ans. Oui, mais elle te dit déjà parce qu'elle va dire l'avenir, donc je comprends parce qu'elle sait ce que tu vas devenir. C'est pour ça qu'il faut qu'elle te bloque. Et toi, tu es en famille, c'est ça? Oui, oui. Tu es en famille? Je m'étais retirée, mais après, je suis retirée. Ah, c'est méchant, ça. Toi, tu ne veux même pas qu'elle se marie, c'est ça? Pour répondre. Oui, papa. Répondez-moi, hein. Oui, c'est pas moi que vous allez garder ça, se dire. Oui, papa. T'as gâté qui d'autre? J'ai gâté la vie. Tu viens ici? Oui, j'ai gâté la vie d'Isaac. Hein? Elle a gâté la vie d'Isaac. Hein? Le dernier garçon, Isaac. Isaac, j'ai gâté ça. Il est où? Il est là. Il est où? Il est où? Quand vous parlez de sorcellerie qui est une mauvaise chose, vous pensez que c'est de la maison. Voilà. Et Isaac, ça va? Mettez-le devant ici, derrière. Il n'a qu'à se mettre derrière là-bas. Comme ça, je pourrais. Voilà. Isaac, ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Waouh, sa langue est lourde. Qu'est-ce que tu as gâté dans la vie d'Isaac? La folie. Elle lui a donné la folie. Elle lui a donné la folie. Elle lui a donné la folie. Comment?
comment tu as fait pour lui donner la folie? Quand il dormait la nuit, je me suis transformé. Et puis, il me s'est transformé en poivre. Et puis, je suis parti dans son arrière aussi. Et puis, il lui a donné la folie. Il dit que pendant qu'il dormait, elle est allée, elle s'est transformée en corbeau, elle est partie sur sa couche, elle a soufflé aussi dans ses narines, et c'est là qu'elle lui a donné l'esprit de la folie. Toi, ton esprit est soufflé dans la narine, hein? Toi, tes narines, toi, tes narines, tu regardes, tu es grave, hein? Tu souffles dans la narine. Vous voyez pourquoi on combat la sorcellerie, nous autres? Vous voyez comment la sorcellerie est très bête? Ta propre famille, que tu es censé protéger, et là, comment tu les détruis? Donc, il ne se retrouve plus, il est mentalement touché. Oui, depuis 7 ans. Depuis combien de temps? Depuis 7 combien de ans. Temps? 7 ans. Hein? Depuis 7 ans. 7 années. Ah non, 7. Oui, 7.